Voici le genre de maman que vous allez être selon votre signe du zodiaque. Le type de mère que vous allez devenir dépend de votre éducation, de votre personnalité, mais aussi de votre signe du zodiaque. Selon l'astrologie, certaines caractéristiques de chaque signe définissent les qualités de chaque femme quant au type de mère qu'elle va devenir. Découvrez le genre de mère que vous serez selon votre signe du zodiaque. Bélier. Les mamans Bélier sont de vraies guerrières, alors elles abordent tout dans la vie comme un combat. Elles peuvent gérer n'importe quelle situation en croyant en elles-mêmes. Le seul bouleversement pour elles est d'avoir un petit bout de chou dépendant complètement d'elles. Elles pensent souvent à elles-mêmes d'abord, alors quand elles sont des mères, elles ont besoin d'un peu d'ajustement. Taureau. Ces mamans sont créées pour le travail et le plaisir vient ensuite. Elles prennent d'abord soin de tout, puis le plaisir suit. Elles sont traditionnelles, mais aussi aventureuses. Elles peuvent même faire étudier leur enfant le dimanche, mais aussi le laisser faire du vélo à 12 ans. Elles sont toujours les meilleures amies de leurs enfants, mais il faut prendre garde à ne jamais les embarrasser. Gémeaux. Les mamans Gémeaux ne sont jamais ennuyeuses. Leur famille se demande toujours ce qui se passe dans leur tête parce qu'elles rendent tout possible. Elles peuvent même avoir des idées bizarres pour l'éducation de leurs enfants. Ce sont les mères les plus excentriques de tous les signes du zodiaque. Cancer. C'est une vraie mère. C'est dans son sang depuis qu'elle est petite fille et qu'elle jouait avec ses poupées. Garder un enfant à la maison et allaiter sont des choses qui lui plaisent. La famille est la chose la plus importante pour elle, et généralement, elle crée un lien fort avec ses enfants qui dure pour toujours. Lion. Les mères lions sont toujours remarquées, peu importe où elles sont, et la maternité est quelque chose dans laquelle elles se jettent complètement. Elles essaient toujours d'être là pour leur enfant et de le transformer en une personne qui réussira et qui fera de grandes choses. Parfois, elles peuvent attendre trop de leurs enfants et les pousser durement. Mais elles aiment les gâter avec des cadeaux parce qu'ils sont leur fierté et leur joie. Vierge. Ces mamans sont un mélange d'opposés. Pour certaines d'entre elles, la maternité est comme un gâteau, alors que pour d'autres, cela nécessite des ajustements. Malgré leur emploi du temps chargé, elles ont toujours tendance à vouloir que tout soit parfait, mais parfois, elles savent se détendre. Balance. Si elle devient une mère, elle atteindra l'équilibre dans la vie qu'elle voulait absolument trouver. Ensuite, tout commence à avoir un sens. Au fond, elle se sent extrêmement heureuse d'avoir quelqu'un pour qui vivre, et c'est son enfant. Elle apprécie tous les plaisirs que la maternité a à lui offrir. Scorpion. Tout est génial lorsque les mamans scorpions sont d'humeur, mais quand elles ne le sont pas, tout le monde essaye de faire des pieds et des mains pour leur faire plaisir, y compris leurs enfants. Elles sont trop protectrices et s'adaptent rapidement à leur rôle de mère. Elles donneraient tout pour que leurs enfants aient un avenir sûr. Sagittaire. La maternité est une véritable aventure pour elles. Cela peut être un véritable bouleversement pour elles que d'être une autorité pour quelqu'un. Elle doit accorder la priorité aux besoins des autres et s'adapter à cette nouvelle situation. Il est vrai que la liberté est son deuxième prénom, mais il est également important d'inclure ses enfants dans presque tout ce qu'elle fait. Capricorne. L'ordre et la discipline sont dans son sang, de sorte qu'elle peut agir plus comme un père que comme une mère. Elle veut enseigner à ses enfants tout ce qu'ils doivent savoir. Elle veut qu'ils soient proches d'elle, mais pas comme de meilleurs amis. Elle n'exprime pas ses émotions en étant douce, mais par des actions. Elle est celle qui tient les ficelles en prenant soin de ses enfants. Verseau. Il n'y a pas de règles pour elle.
Elle se sent la meilleure dans son chaos créatif et les gens ne s'ennuient jamais avec elle. Elle voit la vie comme une grande aventure et elle veut que ses enfants ressentent la magie de ce voyage. S'attendre à l'inattendu est ce qui la décrit le plus. Elle n'est pas le type de personne qui s'attache trop, mais son lien avec ses enfants est extrêmement convaincant pour elle. D'ailleurs, la maternité a révélé un nouveau monde extraordinairement beau pour elle. Poisson. Elle est drôle, émotive et intelligente. Elle est toujours là pour ses enfants et est toujours prête pour une aventure. Cependant, elle peut être contradictoire parfois et intimider ses enfants avec certaines actions à mesure qu'ils grandissent. Ses enfants sauront toujours qu'elle est leur plus grand soutien et qu'elle est prête à tout donner juste pour les voir heureux.